Je vends ici au marché, je peux dire depuis, il y a plus de 25 ans que je suis là, à Madoune. Ce qui nous embête, parce qu'il n'y a pas les gens qui payent. Des fois, tu amènes ces choses-là, tu prépares la nourriture, ceux qui préparent. Tu veux trouver que tu as pris les choses chez les Aoussa, tu as préparé, il n'y a personne qui paye. Tu veux perdre. Si tu as seulement 10 000 et que tu as fait les achats de 10 000, lorsqu'on ne paye pas, tu ne peux plus aller payer les choses à la boutique parce que tu n'as plus rien. Donc cette pauvreté-là, c'est la route. S'il y avait la route, quand Major venait ici, quand il y a eu le pont de Kango cassé, c'est ici que Major passait et on vivait bien. Nous autres, on préparait ici et les gens venaient manger. Quand quelqu'un vient, les gens d'Ebitam, Oyem, ils voyagent avec leur famille. Quelqu'un vient contre le morceau de nourriture qui est dans la marmite, ils te payent. Et tu es obligé d'aller faire encore une autre marmite. Bon, maintenant, s'il n'y a pas la route, c'est compliqué, papa. Donc, moi, je vous encourage parce que je vous ai d'abord chassé. Parce que vous savez que nous, les vieilles, nous, les mamans, nous sommes comme ça. Oh. Quand tu vois un enfant qui vient vers toi, tu penses que il vient me déranger, que je suis dans la colère parce que je n'ai rien. Et maintenant, quand tu m'as expliqué que maman, ce n'est pas ça, il faut toujours parler. Ouais. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, voilà la vie qu'on vit. Il y a une petite fille là, elle est venue avec le poisson salé. C'est ça qui est posé là sur la table. Et les gens de Madounou, ils sont contents parce que lorsqu'ils voient le poisson salé, plus les choux que j'amène, le poisson salé, il y a les carottes, il y a le poivron, ils mangent bien, ils changent quand même le goût. Mm-hmm. Donc, en dehors de ceux qui sont dans les boutiques, nous avons le poisson salé, nous avons l'aubergine, le poivron, les carottes, c'est là, la banane, vous-même vous voyez.